Salut à tous, c'est Mr. Freeze, on se retrouve pour le tout début de Zelda The Minish Cap. Je crois que ça se dit Minish Cap. Ah, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Zelda. Alors, on va faire comme à l'ancienne. C'est bizarre quand c'est dans l'ordre alphabétique, on retrouve plus. Une fois qu'on a appris avec les claviers AZERTY. Voilà. Alors il y a une petite intro un peu plus longue que dans les autres Zelda Game Boy. Je vous la mets tout de suite. C'était plus long dans mes souvenirs. Il faut savoir qu'il y a une espèce de timeline entre les Zelda. Et qu'apparemment celui-là serait au tout début. Enfin, je crois que c'est le deuxième. C'est vraiment l'origine des Zelda niveau scénario, enfin niveau histoire. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le jeu est super méga beau pour la Game Boy Advance. C'est de la Game Boy Advance quand même, mais franchement, les graphismes sont impressionnants pour la Game Boy Advance. Bon, ça, après, c'est Nintendo sur sa console. Hein. Voilà, et dans Zelda, Link et Zelda se connaissent. Putain, c'est quoi cette vitesse de dialogue à la con? Bon, vous savez quoi, je vais la laisser comme ça. Comme ça, tout le monde aura le temps de lire. Alors, déjà, différence avec les épisodes de Game Boy Color, c'est qu'on peut faire des mouvements comme des roulades. On apprendra tout au long du jeu des nouveaux mouvements. C'est sympa. Voilà, il n'y aura pas que les items, il y a aussi des mouvements. Ce qui est assez sympa pour le gameplay. Puis petite chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que Link n'a pas de chapeau. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs. C'est normal, hein, ça fait partie du scénario du jeu. Pour moi, c'est à mon avis le Zelda le plus complet, le Zelda 2D le plus complet. Avec le plus de choses à débloquer, à faire. D'ailleurs, je pense pas que je pourrais tout faire. Enfin, je ferai toutes on va dire, les mini-quêtes, les choses comme ça, les quarts de cœur. Mais par contre, tout ce qui est, ah, vous verrez, je peux pas trop expliquer sans spoiler, mais, en gros, on aura des fragments à rassembler, c'est assez aléatoire pour les retrouver. Ça, je pense pas tous les faire, mais après, c'est pas non plus primordial. Je récupérerai quand même tous les objets, tous les, ouais, ça, c'est sympa, de l'herbe comme ça, en plus des... Enfin, c'est les hautes herbes, quoi, de Zelda. Hein. Alors, je vais souvent faire plein de roulades, et ça peut être très chiant. Mais je le fais quand même, parce que ça va plus vite, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Parce qu'on peut abuser de la roulade comme un con.
C'est un peu bizarre de voir Zelda comme ça, qui se fait pas capturer dès le début. Alors on parle des mind niche déjà. Donc là, le but, hein, c'est juste de parler à Zelda. Ah, tu peux encore crever avant, hein. C'est le gros bâtard. Voilà, en fait, l'épée que nous a donné notre père, le forgeron. C'est quoi ce cliché vivant? Ouais, c'est l'épée, c'est pour le vainqueur du tournoi, en fait. On se demande ce qu'elle va choisir. C'est quand même un quart de cœur, quoi. Le gars il fait des prix mais il dit que c'est de la merde. Déjà le nom de l'objet est en rouge donc faut le prendre quoi. Voilà, premier objet du jeu, le bouclier. Oh non, les dialogues sont trop lents. Hein. Dites-moi votre avis, mais à mon avis, c'est trop lent. Non, on peut avancer avec le bouclier, alors, bien sûr. Je fais le défilé de mode. Ah là là, c'est quand même n'importe quoi Zelda. Il est con quoi. What the fuck? Il y a quand même un truc bizarre. Le trail fait du marchandage en crachant des graines à la gueule des gens, après il dit putain c'est quoi ces conditions de travail de merde. Normal. Comme si on est au boulot, on arrive, on fout des tartes dans la gueule des gens, on se fait virer et fait putain, c'est vraiment de la merde ce travail. Ouais, donc la fameuse cérémonie, hein. Donc ça, c'est pas l'épée qu'on a forgée, enfin que le mec a forgée. C'est celle qu'on a vue dans l'intro, en fait.
Le roi, il a l'air méchant. Enfin, je trouve qu'il a une gueule de gros... gros bourrin. Ouais, Zelda a des pouvoirs. Un peu comme dans Ocarina of Time. Faut ça trop con les gros méchants qui disent ce qu'ils vont faire. Je vais t'attaquer par un coup à droite. Alors pour une fois, elle se fait pas capturer, elle s'est changée en pierre. Et déjà l'ennemi principal n'est pas Ganondorf. Donc déjà c'est bien. Ah donc il cherche un truc qui s'appelle la force. C'est un ennemi assez classe, Vaati. Alors, je peux aussi passer des hocs plus vite, hein, mais ça passe tout d'un coup du coup. Alors là, il se fout de notre gueule. Il y a 2 minutes, il disait, vous savez tous qui sont les miniches. Et après, il dit, c'est normal, vous savez pas au courant. On demande à qui on va devoir demander. Ça, j'adore comment je casse tout, quoi. Ah, donc notre but c'est de restaurer l'épée Minish brisée. Bon, voilà, on va avoir une épée, l'épée de base, quoi. Bon, au fur et à mesure en fait qu'on va restaurer l'épée dans le jeu. Ce sera comme ça qu'on améliorera notre épée en fait. Ça fait toujours bizarre de... Là vous devez vous dire, ils sont sérieux, c'est ça la carte? On se fout de notre gueule là. Ouais en fait je vous l'ai pas dit mais le jeu ne dure que 4 heures. Non, c'est pas vrai. Non, mais ça, c'est pas la carte du monde, hein, vous en faites pas. Par contre, ça, c'est sympa parce qu'on peut, voilà, zoomer. Merde. On peut zoomer sur la carte comme ça. Bon, ça, c'est sympa. Même si on n'y est pas allé d'ailleurs.
Ouais, donc maintenant, on a notre épée et notre bouclier. Ah, la fameuse musique, hein. Les Octorok. Bon, on retrouve tous les classiques de Zelda. Vous allez voir, ouais, ce qui est bien dans Zelda, c'est qu'il y a vraiment plein de trucs à débloquer. Il n'y a pas juste les objets de base et les quarts de cœur. On a vraiment plein de trucs en fait à débloquer. Voilà, là on peut pas retourner en fait à Hyrule. Voilà, parce que il y a des réparations. Et donc, voilà. Là, il y a un petit secret en fait à cet endroit-là. C'est que là, si on tourne 255 fois dans l'herbe, on peut trouver un Pokémon en fait. Non, c'est des conneries, je déconne. Voilà, bon, de toute façon, c'était l'intro. Je vais peut-être pas trop m'éterniser. Ah, vous allez voir, ces ennemis ils sont sympas. C'est 4 taupes en fait. C'est trop débile ce qu'ils font, quoi. Bon, ça c'est juste la première fois qu'on a un objet, hein, que ça met le message. Alors, on peut pas passer par là. Donc, pour l'instant on est obligé de... Il n'y a qu'une seule route en fait. Et vous voyez là, il y a des petits passages comme ça, tout petits. Et puis des troncs. On verra plus tard à quoi ça sert, mais... En gros, plus tard on pourra devenir tout petit. Et passer par certains passages. Pareil les tornades, c'est un truc qu'on pourra faire plus tard. Bon, c'est enfin, c'est comme dans les autres Zelda quoi, c'est on découvre des trucs petit à petit. Ah merde, ça casse pas les pots? Je croyais. Je m'en rappelais pas ça. Bah pareil, ça c'est grâce à un objet qu'on pourra passer. Ah c'est vrai qu'on peut jeter les objets comme ça directement. Bref, je vais essayer d'aller au premier donjon. Et terminer la vidéo là-dessus. Enfin, je sais pas si j'aurai le temps, remarque. Au moins rentrer dans la forêt, c'est pas bien. Voilà, normalement c'est marqué. Forêt de tuer le gars. Voilà, on y est. C'est bizarre le bruit. Hein. Il y a des espèces de blobs comme ça dans Zelda aussi. Normalement il y a un quart de cœur. Est-ce que je l'ai loupé? J'ai dû louper comme un con. C'est pas là. J'arrive à me paumer dans 10 cm carrés. Ah, il est là le quart de cœur. Voilà donc premier quart de cœur. Hein. Et là on va rencontrer le, disons, le deuxième personnage principal du jeu. Où il est. Je vais couper juste après ça. Voilà, voilà. Là, comment j'ai tué avec la stack, oulade, après je le défonce, non je sais quoi. J'aurais pu en sortir tout seul.
Ouais, ça c'est trop chiant. Voilà, et en fait, c'est le chapeau de Link. Là, si vous connaissez pas le jeu, vous devez vous dire, mais c'est quoi ce délire, quoi? Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on peut devenir aussi petit qu'un Minish. Voilà, et donc bon, on peut le faire que sur les souches, hein, revenir grand ou redevenir petit. Par exemple, là on se noie si on va dans l'eau, il me semble. On peut quand même attaquer, hein, c'est ça qui est marrant, on peut quand même faire les roulades. Par contre, les roulades sont presque aussi grandes qu'avant. C'est ça qui est un peu con. Je suis à moitié dans l'eau, mais. Oh, il est sérieux là? J'ai pas bougé, c'est le pire. Allez. Ouais, c'est assez sympa comme délire. En tout cas, graphiquement, ouais, il est vraiment beau pour de la GBA, hein, le jeu. Là, donc on arrive au village des Minish. Là, vous devez dire c'est quoi cette langue. Bon, en fait, je vous donne un petit secret. En fait, c'est juste écrit à l'envers. Là, c'est t'as raison, c'est un humain, par exemple. Faut lire de droite à gauche, en fait, simplement. Ils sont pas cassés le cul, hein. Moi, je l'avais pas remarqué avant longtemps dans le jeu, en fait, la première fois. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo de Zelda The Minish Cap. Oui, ça, ils vivent dans des chaussures, c'est sympa. Vous verrez que c'est ouais un jeu vraiment très très complet. Comme je l'ai dit, sûrement le plus complet de tous les Zelda 2D. Avec vraiment énormément de choses à débloquer, des techniques d'escrime, des mouvements spéciaux. Enfin, je sais plus tout ce qu'il y a, mais il est très très complet, quoi. Il est assez long, bah, pas aussi long que les autres. Sauf si on veut le faire à 100%, il est vraiment très long. Voilà, voilà. Et puis, bah, on se retrouve à la prochaine pour le village des Minish et sûrement bah, le premier donjon. Allez, salut!